Dans cette vidéo, je vais te montrer une astuce qui va te permettre d'augmenter la durée de ta batterie. Alors, ton téléphone à la décharge rapide, tu es sur la bonne vidéo. Alors, reste jusqu'à la fin pour connaître l'astuce. Alors, moi, c'est Roland Gallo. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, on se retrouve sur mon téléphone. Ciao. Alors, regardez ma batterie actuellement. Je suis à 49%. Que tu sois sur Android, que tu sois sur iPhone, cette astuce reste la même. Ça fonctionne toujours. Regardez à l'heure que je suis en train de réaliser cette vidéo. Ma batterie est à 49%. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer l'astuce. Regarde, ma batterie va descendre pour vous dire à quel point ma batterie ne dure pas. Mais grâce à l'astuce, voilà, c'est descendu à 48. En un laps de temps, ça a descendu à 48. Et ainsi de suite, si vous prêtez bien attention, vous allez voir, ça va encore descendre à 47. Alors, l'astuce ici est très simple. On va se rendre dans paramètres. Une fois que vous êtes dans paramètres, vous allez coulisser vers le bas. Coulisser, coulisser. Et rassurez-vous, vous allez coulisser vers le bas. Coulisser. Vous allez chercher confidentialité et sécurité. Confidentialité et sécurité. Tous ceux qui sont sur Android, je vais vous montrer, vous voyez là, il vient de descendre à 47. En un laps de temps, il vient de perdre 2% de ma batterie. Alors, écoutez bien l'astuce. Là, il veut me rendre dans confidentialité et sécurité. Une fois que je suis dans confidentialité et sécurité, on coulisse vers le bas. Vous voyez toutes ces applications. Alors, toutes ces applications, ce sont des applications qui me bouffent l'énergie de ma batterie. Alors, pour remédier à ce problème, je vais venir ici là, sur service de localisation. Je clique là et là, on va voir toutes les applications qui me bouffent la batterie en localisation. Alors, tout ce que je vais faire ici, là, tout simplement, c'est de désactiver cette option. Lorsque je désactive cette option, ça veut dire que le service de localisation a été désactivé. Donc, le GPS sur mon téléphone ne sera plus activé inutilement. Et je vous assure que désactiver cette option, vous n'allez plus perdre en pourcentage de batterie. Et ensuite, rassurez-vous comme deuxième point. Vous voyez, depuis la batterie reste à 47% depuis qu'elle est désactivée. Rassurez-vous de désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth de votre téléphone. Et là, vous n'aurez plus jamais de problème de batterie. Alors, si cette astuce t'a aidé, mets un pouce bleu et abonne-toi pour ne rien rater. Je suis toujours à 47%. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!